Ce mec me fout la gerbe. Il contrôle la moitié des bordels de la ville. Il nous verse pas un rond. Et il a le culot de promettre qu'il va nettoyer la ville. Évidemment, c'est que du baratin pour les caves. Mais il empiète de plus en plus sur notre territoire avec ses gagneuses. Je crois qu'il est temps de mettre fin à sa carrière politique. Mais les élections, c'est pas pour demain. Il va falloir s'en occuper personnellement. Je sais pas, boss. Il y a eu assez de violence pour un moment, non? J'ai comme un mauvais pressentiment. Tommy, on va bientôt faire main basse sur cette ville. Et c'est le seul qui peut encore nous emmerder. Il faut qu'on le bute en public, comme Morello? Ouais, en public. Mais pas comme Morello. Oublie pas que buter un politicard, c'est pas comme liquider un truand. Personne doit savoir qu'on est mêlé à ça. Le mystère et la peur, ça suffira pour ce qu'on veut faire. Alors, comment on procède? Monsieur Sewer a un meeting aujourd'hui dans un parc sur une petite île près de Central Island. Il n'y a qu'une seule route pour y aller, par un petit pont. Normalement, ça nous posera un problème. Mais Vincenzo a eu une idée. Il a monté une lunette télescopique sur un fusil de l'armée. Et tu devrais pouvoir le flinguer de beaucoup plus loin. T'auras même pas besoin d'aller sur l'île. Où ça, alors? T'auras une superbe vue sur lui depuis Central Island. À la pointe nord de l'île, depuis la tour de la prison abandonnée. T'auras tout le parc en face de toi. Et avec ce fusil, t'auras aucun mal à aligner tranquillement ta cible sans attirer l'attention. Ça m'a l'air plutôt bien pensé. Bon, va voir Vincenzo pour le fusil. Ok, boss. Et n'oublie pas, Tommy, tu dois le descendre de loin. Et personne ne doit te voir. T'auras sans doute qu'une seule chance. Et si tu le butes pas les premiers coups, ils le couvriront et ce sera foutu. J'ai compris, boss. Paraît que t'as un flingue plutôt spécial pour ma pomme, Vincenzo. Faut que tu descendes un mec de loin, c'est ça? Alors je t'ai trouvé le flingue idéal. Les soldats s'entraînent avec des lunettes montées sur ces fusils standards. J'ai mis la main sur un Mosin Nagant. On le fabrique ici, mais les Russes l'ont amélioré pour les tireurs d'élite. C'est une arme efficace et précise. Intéressant. Bon, j'espère qu'il marche bien. Hé, hey, Tommy, prends aussi un calibre normal. On sait jamais sur qui on peut tomber. Ça, tu peux le dire. Merci. J'ai jamais vu ce genre de serrure. Je crois pas que je peux prendre cette caisse. Salut, Tommy. J'ai ça pour toi. Sensible, spacieuse et très solide. Je crois qu'elle te plaira. Et puis, c'est fastoche d'y entrer. Merci, Ralphie. Thank you.
monsieur, vous pouvez pas entrer là. Hé, hey, monsieur, vous pouvez pas aller par là. Vous êtes sourd. Vous pouvez pas entrer là, vous êtes sourd. Faites gaffe, c'est pour nous qui est là. Je t'ai eu. Oh là. Merci. Putain. Non, j'ai dit pitié. Pas un geste.
Hey, Tommy, comment ça va? Je sors de tôle. C'est ça. Bon, excuse-moi, mais je suis un peu pressé. Il faut que tu me ramasses un gars dans la zone de Works Quarter et en vitesse. Les flics le cherchent et il est même pas au courant. Où ça? Tu verras personne d'autre en costard dans le coin, alors tu peux pas le rater. Mais magne-toi avant que les flics se ramènent là-bas, sinon il est foutu. Ensuite, tu le ramènes ici. Ok, j'y vais. Mais je t'y connais pas à propos de la tôle. Restez là longtemps. Restez où vous êtes. C'est Lucas qui m'envoie, les flics sont après toi. Faut que je te mette à l'abri. Merde, comment ils m'ont trouvé? Bon, on retourne chez Lucas.
Qu'est-ce qui s'est passé, Luca? Ils ont pensé que c'était toi. Ils savaient où t'étais et j'ai entendu dire qu'ils voulaient te boucler aujourd'hui. Heureusement, t'étais là. J'ai bien failli pioter à l'ombre. C'est Tommy qu'il faut remercier. C'est lui qui s'est mouillé. Merci, mon pote, je m'en souviendrai. C'était rien. Ok, posez-vous par là. Tom et moi, on a un truc à régler. Ok. Tommy, j'ai un truc très chouette pour toi. Une V16 avec une carrosserie sur mesure. Une vraie pièce de collection. Où elle est? Il y a un petit playboy de Oak Hill qui fait une fête ce soir. Il y aura des tas d'invités et l'un d'entre eux a exactement ce que tu cherches. Tu peux l'ouvrir de la même manière qu'une V16 standard. Mais pour le reste, c'est le chef-d'œuvre intégral. Tu connais l'endroit et il y aura plein de bagnoles chicos garées là. Ok, merci Lucas. Arrêtez de mater ma bagnole, vous allez la rayer. Vous avez pas entendu ce que j'ai dit? Il n'y a rien à voir ici. Dégagez. On n'a rien fait de mal. Ne vous énervez pas. On fait que regarder. C'est ça. D'abord, on jette un coup d'œil, puis les deux, et plus de bagnole. Du balai. Ça va, ça va. Ce mec est fêlé. Thank you.
branchée comme un chauffard. Oh.